Le Morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Yes. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses en plein déchet. Non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous regarder à la télévision depuis Zélecro Centre. Le plaisir pour nous de vous savoir nombreux devant votre lucarne joyeuse au rendez-vous donc de tous les soirs, un rendez-vous qui vous parvient quand il est 22h30. C'est l'émission Les Grandes Gueules. Trois possibilités pour réagir à nos sujets. GG au 8037 ou vous faites le 657 39 13 13 ou vous allez sur notre site internet www.espacefmguinée.info. Vous pouvez également nous contacter via Twitter avec ce lien hashtag espace GG. Et derrière, vos messages vont défiler le soir à la télévision en bande défilante. Merci donc de nous rejoindre à la une. C'est une décision qui devrait faire jurisprudence. Elle est en faveur d'un parti politique, le PADES en l'occurrence. En effet, suite à une saisine régulière du parti dirigé par Dr Ousmane Kaba, transfuse de RPG Arc-en-Ciel, la Cour suprême vient de condamner le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pour abus d'autorité. Par la même occasion, donne droit aux dirigeants du parti RDI devenu PADES d'opérer toute mutation souhaitée. Comment reçoit-on cette décision de la Cour suprême au sein du PADES, le parti dirigé par Dr Ousmane Kaba? Dr Ousmane Kaba, donc président du parti, député à l'Assemblée nationale, il réagira ce matin chez les Grandes Gueules. Le SLEG version Souma va déclencher une grève générale de lundi prochain, si jamais un congrès se tenait aujourd'hui sous le label SLEG. Une menace qui ne fait ni chaud ni froid au groupe de 6 Savanais, qui reste droit dans ses bottes. Son congrès prévu pour ce mercredi se tiendra bel et bien ici à Conakry, à l'ENAM. Pourquoi organiser un nouveau congrès au sein du SLEG? C'est la principale question qu'on se pose ce matin. Et là, j'ai Ousmane Tanoubalde. Il est membre du bureau exécutif national du SLEG, un des ténors du congrès d'aujourd'hui. Vous l'entendrez chez nous ce matin. Affaire Elhadj Doura Diallo, le défunt opérateur économique enlevé le 5 décembre 2017, tué des mois plus tard par ses ravisseurs, a rejoint dimanche dernier sa dernière demeure. C'est encore la déflagration au sein de l'opinion qui reste sous le choc du scénario du mode opératoire utilisé par les malfrats à l'origine du kidnapping de l'octogénaire. Des malfrats pour la plupart des multirécidivistes. Question ce matin, comment ceux-ci font-ils continuellement pour se retrouver dehors et ainsi continuer de perpétrer plus de crimes? Et cette autre question, à qui la faute? À M. Mamadou Alpha Barry, colonel Mamadou Alpha Barry. Il est officier chargé de communication de la gendarmerie nationale. Il est notre invité exceptionnel en ce mercredi. Merci de rejoindre l'équipe. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour Aboubakar Diallo. Moussa Yeroba, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour. Bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou. Bonjour, tu devrais nous saluer en guerzé ce matin. Ça, je ne l'ai pas appris, hein, franchement. C'est nul ça. Ben, si tu peux m'apprendre en direct, en live. Voilà, madame. Merci, bien. Madame. Aïkbalé, Aïkbalé Koulemou. Ouais, Aïkbalé. Bien. Bonjour Nabila et Moussa Silla. Aboubakar Titi Diallo, bonjour. Bien. Roby, un clin d'œil quand même à l'annonce du chef de l'État. Ça fait plus de 3 mois. Ouais, bah, ça fait plus de 3 mois qu'on a annoncé un nouveau gouvernement voilà, qui se fait désirer. Bah, le gouvernement se fait désirer. Plusieurs raisons sont sur la place publique. Donc on dirait que c'est sous la pression de la coordination, des différentes coordinations que le président n'arrive pas à former son gouvernement. D'autres disent que c'est le bureau politique du RPG Arc-en-Ciel qui a envie que fondamentalement ces hommes y soient introduits. Il y a des langues qui disent que le président de la République est en divergence avec certains acteurs politiques qui sont aujourd'hui proches de lui, qui étaient, oui, mais ce serait bien qu'il vienne de ce côté-là. Oui. Lamine Gerassi, serait bien qu'il vienne de ce côté-là, il est parti. Donc, d'autres diraient que c'est évidemment lié au fait qu'aujourd'hui, il y a un rapprochement. D'ailleurs, ça s'est fait sentir du côté de Zérékoé entre le président de la République et le centriste, Sidi Touré,
et que des discussions seraient entre les deux hommes. Quel et centriste. Ces discussions. Bah, enfin, quand je dis ça, mais dit qu'il est centriste. Enfin, il est ni de l'opposition. Bah, il est de l'opposition. De, enfin, moi, ma. Ma mais moi, il n'est pas de l'opposition républicaine. Moi, ma vision. Il œuvre pour. Moi, ma vision. Pour le centre. Moi, ma vision. Non, mais il n'a pas dit qu'il est centriste. Il l'a jamais dit. Écoutez, monsieur Sidi Touré. Madame Miro, ce n'est pas une question de déclaration formelle. C'est une question de positionnement. Et c'est en fonction de ça, moi, je juge personnellement. Et donc, je veux dire que. Oui, mais c'est quand même vrai, Roby, pour corroborer ce que tu dis. Les grandes gueules. Lors de sa rencontre, à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, je crois que c'était le 4 ou 5 avril, Sidi Touré s'était prononcé en faveur d'une troisième voie. Évidemment. Et il avait dénoncé la bipolarisation, de la vie politique. La bipolarisation, une troisième voie n'est pas forcément du centrisme. Oui, madame, c'est une idéologie politique, comme, là, madame, s'il madame vous plaît. Madame Miro, c'est pas la peine de mettre façon, le poids. Il a dénoncé la c'est bipolarisation. Pas la peine de mettre le poids sur le mot. Moi, je regarde en fonction du terrain, en fonction de l'action politique. Oui. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus, il y a une quatrième réalité qui veut que certains ne seraient pas d'accord pour le fait que Kassouri Fofana soit en pole position aujourd'hui, oui, dans les grâces du président pour, si vous voulez, endosser la responsabilité de la primature. Donc, est-ce que ce sont des véritables raisons? La cinquième raison que d'autres évoquent, c'est évidemment le fait que le président de la République a dit qu'il ne nommerait pas de gouvernement sous pression. Et vu que jusqu'à présent, il y a des pressions de part et d'autre, de façon, personne, de ses amis... Personne ne le met sous pression. Hein. Oui, mais si. Bah, mais non, mais... Si. Mais qui l'a forcé? Est-ce qu'on l'a obligé à annoncer à l'occasion du 8 mars qu'il va mettre en place un nouveau gouvernement? Mais non, mais personne ne lui force la main, Roby. Ce n'est pas une question d'obligation. Ce n'est pas une question d'obligation du président de la République ou une question de l'obliger à nommer un gouvernement. Mais c'est une question de pression de part et d'autre. La pression n'est pas forcément de venir s'arrêter sous le visage du président de la République et lui dire « Écoute, il faut que tu nommes telle ou telle personne. » Évidemment, il y a une pression. La pression sous-jacente, ce sont les différentes démarches. C'est qu'il y a d'ailleurs... Non, mais c'est qu'il y a d'ailleurs... Il est chef de l'État ou il ne l'est pas, franchement. C'est qu'il y a d'ailleurs... Oui, bah, moi, je ne suis pas dans ce calcul. Mais il est dépositaire du décret. D'accord. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'ailleurs... Ce qui corrobore d'ailleurs avec ce que je dis, c'est que la dernière sortie du président de la République, lui-même, il a parlé de... Ce ne sont pas les marabouts qui nomment le gouvernement. Il y a des gens qui m'écrivent des SMS, je lis plus, etc. Des gens me font des recommandations pour me dire... Ou des gens m'écrivent pour me dire, nomme-moi à tel poste. Moi, je veux dire que ce sont des formes de pression. La question, Roby, a-t-on besoin de plus de 3 mois pour constituer... Normalement, non. Pour nommer un nouveau gouvernement, c'est incroyable. Normalement, non. Ouais. Parce que l'enjeu de tout c'est ça, c'est quoi? C'est extraordinaire. L'enjeu de tout ça, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, vous vous rendez bien compte que notre administration publique est au ralenti. Complètement au ralenti. Les ministères n'ont pas les budgets. Les ministres qui sont en poste en ce moment rechignent. Ils ne savent même pas de quoi sera fait leur avenir. Et donc, se donnent pas corps et âme au travail. D'autres refusent de s'engager sur des documents administratifs parce que tout simplement se disant je reste ou je reste pas, j'ai pas envie de mettre ma main dans un dossier. Ils sont dans l'incertitude. Après, donc, chacun est dans l'incertitude, n'ont pas reçu de budget, ne travaillent pas. Dans les ministères, ça ne travaille pas. Et ça, ça jouait fondamentalement sur la performance de l'administration. Et les donc, grandes gueules. Si le président de la République n'était pas prêt à annoncer, à former un gouvernement, il fallait pas du tout l'annoncer. Bien. Maintenant qu'il a fait, la dernière fois je l'ai dit que ça jouait lui-même sur sa propre crédibilité, la crédibilité parce que la parole du président de la République est une parole forte. Et donc lorsqu'il déclare, il faut qu'il passe à l'action. Bah, je pense qu'il est bien conscient que ça c'est contre-productif. Absolument. Pour sa gouvernance. Et ça joue contre sa gouvernance tout simplement. Ah, il perd du temps, le pays est à l'arrêt. Voilà. Je ne sais même pas pourquoi on en parle, pourquoi on n'attend pas. Parce que Aboubakar, tu l'as dit, important. Personne. Non mais c'est une annonce comme 1000 autres. On en connaît dans ce pays. Le plus souvent, à chaque fois que le président prend la parole, il annonce des choses. Oui, est-ce que c'est toutes sérieux. Ces annonces c'est se sérieux, concrétisent? Oui, un gouvernement, est-ce c'est que sérieux. Toutes quand ces annonces le président se concrétisent, l'annonce. Le président mesure la portée de ce qu'il a fait. Il mesure la portée de ce qu'il a fait. La quand il s'arrête devant les femmes, je vais vous dire dans quelles circonstances. Je vous explique dans quelles circonstances, parce que peut-être que vous n'étiez pas au palais. Nous, on était au palais. Mm-hmm. Nous savons ce qui s'est passé ce jour. Dites-nous tout, oui. Nous savons ce qui s'est passé ce jour. Le président ne pouvait pas se déplacer une fois sans qu'il ne soit hué par les femmes qui réclamaient le retour des enfants à l'école. Tout il à était fait. Sous pression. Il fallait vraiment qu'il puisse qu'il jouer, annonce, qu'il puisse sortir quelque chose, qu'il puisse faire crier la foule, pour qu'il se fasse acclamer. C'est dans des circonstances comme ça qu'il a dit. On va écouter la majorité silencieuse. En ce moment, les femmes ont applaudi. Je pense qu'il avait besoin de cela. Mais le plus souvent, c'est des annonces, finalement, qui n'aboutissent pas. En fait, des annonces sans lendemain. On met le pays à l'arrêt juste parce que, oui, on a besoin d'acclamations. C'est pas bon. Ça n'arrange pas, ça ne fait pas avancer le pays. Parce que
Il a dit, on va enfin se rapprocher des personnes qui vous écoutent. On va faire une nomination. Ça fait plus de trois mois. Il n'a pas fait de nomination. Vous parlez de pression. Ça fait trois mois, une semaine. Il a des véritables difficultés. Mais pourquoi après trois mois, on n'a pas ce gouvernement enfin ? Ce sont les raisons qu'on évoque. On a le chef de l'État, il est le seul. C'est lui qui prendra ce décret. Et c'est lui qui sait à quel point son bilan lui est cher. Parce que le fait de laisser le pays. Le pays ça ne bouge pas, même des ministres qui avaient certainement la volonté de faire plus, de travailler, ne savent plus est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester. En fait, vous découragez les personnes qui sont avec vous. Si vous voulez agir, agissez, ne faites pas des annonces comme il le fait à tout bout de champ, sans que ça ne se concrétise par des actes. Les grandes gueules. Allez-y, Moussa Moïse. Je suis peiné que dans notre pays la politique n'arrive pas a affranchi la Guinée de toutes ces compromissions auxquelles nous assistons là. Ouais. Parce que ces compromissions, encore une fois, sont le résultat d'une violation en amont de la loi par les gouvernants, par ceux qui tiennent les rênes du commandement, et ensuite par l'opposition qui, elle, en finalité, qui demande également que la loi ne soit plus respectée, mais qu'il y ait réparation. Et réparation signifie qu'il faudrait qu'on aille autour de la table pour trouver un compromis. Et donc, nous prenons le pays en otage. Mais j'estime que si en amont, il n'y avait pas eu cette volonté, cette propension assez prononcée du gouvernement à chaque fois qu'il y a une élection, de tordre le cou à la loi, de ne pas respecter la loi, on ne serait pas aussi amené à voir l'opposition demander tout le temps qu'autour de la table, on trouve une autre voie, un autre chemin différent de celui que propose la loi. Les grandes gueules. Pour ces élections communales. C'est parce que tout simplement, le code électoral n'a pas été du tout respecté. Bien, revenons au gouvernement. J'en parle parce que c'est important. Tout cela est un peu lié. Nous sommes dans une sorte d'impasse et c'est de façon générale. C'est de façon générale. Bien. Alors, par rapport au gouvernement. Oui, la question, Moussa, la piste Kassouri s'est-elle refroidie? Je ne pense pas parce que le président Alpha Condé a prouvé, il continue de prouver qu'il reste un président imprévisible. Ouais. Vous ne pouvez pas du tout vous prononcer sur ses intentions ou sur ce qu'il va faire demain. Ouais. C'est pas possible. Il aime prendre de pourvu tout le peuple. Ouais. Mais apparemment, Mamadou là pourrait garder son poste. C'est possible. Mais moi j'estime, même si on arrivait à enlever Mamadou là demain ou après-demain, je pense qu'il a fait son temps. Il a des résultats économiques. Hein. Bon, quelques résultats. Et puis nous sommes en fin de règne du président Alpha Condé. 2 ans pour un nouveau gouvernement qui viendra. Je ne pense pas que nous puissions attendre de ce gouvernement des résultats assez miraculeux. Oui, mais je pense que ça va être plutôt un gouvernement de mission. Si tant est qu'il y a des velléités liées à cette histoire de troisième mandat, ce gouvernement va s'atteler à cette tâche. Mais j'estime que si on a envie véritablement d'avoir quelques résultats, d'avoir une certaine continuité dans l'action gouvernementale, vraiment, il y a des ministres qui méritent d'être restés. Il peut retoucher quelques ministres qui ont prouvé toute leur léthargie, leur nonchalance. Et puis on le met dehors. Mais moi, je ne suis pas pour l'idée de gommer tout le monde. Parce que simplement. Il y a une bonne partie de ministres qui ont des résultats, franchement. Oui, ils peuvent rester. Oui, je ne suis pas pour l'idée de gommer tout le monde. Et au-delà de ça, le président de la République ne doit pas annoncer, je pense, qu'il va faire un remaniement. Je pense, comme la démission, le remaniement ministériel, c'est quelque chose qui s'apprend, ça ne s'annonce pas. Vous avez le décret, vous le prenez, et bien au journal télévisé du soir, nous apprenons tous qu'il y a eu remaniement ministériel. Quand vous le dites, ça veut dire que vous n'avez pas été vous-même convaincu de l'idée véritable de la prise de décret. Vous êtes d'accord avec Mme Hulot qui l'a annoncé sous l'effet de la pression? Je pense qu'il l'a fait ainsi et ça a des conséquences qui ne profitent pas du tout à son régime, qui ne le profite pas parce que la pression, je pense qu'il la ressent aussi. Il la ressent, ses textos qui l'envahissent, ses SMS, ses coups de fil et ses marabouts aussi qu'il a sur le dos. Parce que quoi qu'on dise, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un demain je vous dégomme et que la personne s'asseye et qu'elle croise les bras. Ouais. Je pense que les marabouts de certains membres du gouvernement ont prouvé qu'ils ont du culot et qu'ils savent changer la position de l'étoile. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques. Moi, je ne crois pas forcément que ce soit l'œuvre des marabouts, même s'il ne faut pas minimiser leur force dans ce pays. Mais moi, je me dis que le président, il a annoncé comme ça. Après, il y a... Peut-être qu'il rêve la nuit. Ça a des retombées politiques.
parce que ça lui permet de savoir qui peut aller avec lui. Vous avez vu ce que ça fait, ces rapprochements des gens qui, dans le noir, font des sollicitations directes au président de la République. Donc, il s'est dit que ce sont des personnes sur qui il peut compter si, bien naturellement, il les appelait demain pour appartenir à son gouvernement. Il ne fait rien pour rien. C'est un vrai politicien, le président Alpha Condé. Maintenant, notre préoccupation à nous, c'est d'avoir un gouvernement qui peut, n'est-ce pas, amener le pays de l'avant. Je ne crois pas que le président soit forcément dans ses calculs. Rappelez-vous du gouvernement qu'il a mis à la veille de 2015. C'était un gouvernement qui avait une mission spécifique. Un ministre était allé jusqu'à nous dire ici qu'il a été nommé pour la réélection du président Alpha Condé. Et bien évidemment, c'était sa mission et ça, c'est ce qui s'est passé. Les grandes Après gueules. La réélection du président, il est parti. Il était quelque part à Moussoudougou là-bas, pour ceux qui peuvent, n'est-ce pas, se rappeler. Donc je pense que c'est encore quelque chose de cette nature. Les gens vont faire des sollicitations. Après, le président va leur confier des missions spécifiques. Ils vont appartenir au gouvernement. Après la mission, ils vont partir. C'est pour des élections législatives. Nous les avons bientôt. Bien. Et puis le problème était les arbitrages politiques. Parce que il y a justement la mise en place l'élection des exécutifs communaux et à propos justement Sidya Touré est un allié de poids qu'il faut savoir charmer et alors faire un gouvernement Kassori sans l'accord de Sidya, ça peut poser problème. Et quand on sait les différentes relations qui existent en ce moment sur l'échiquier politique, notamment je veux faire référence à la relation entre monsieur Sidya Touré et Kassori Fofana, à la relation entre Sidya Touré et Thibaut Camara. Pourtant, tout cela sont des véritables acteurs aujourd'hui autour du président. Donc, chacun y va de son conseil, chacun y va de sa parole chez le président. Mais l'autre chose qu'il faut souligner, c'est que Jacques a évidemment raison. Le président de la République, à la fin, peut avoir un calcul politique bien établi. Il annonce un gouvernement depuis 3 mois. Il a la pression pour mettre le gouvernement en place parce que les choix d'hommes font défaut. Chacun vient avec sa proposition. Contre lui-même, ses propres propositions, on le sait très bien. Il a envie de jouer les durs. Mais ce qui reste clair, c'est qu'il reçoit beaucoup de pression. Ça, c'est une vérité. Donc aujourd'hui, moi, je me dis qu'il a de véritables difficultés à choisir les hommes qui peuvent composer un gouvernement qui sied à sa volonté, si sa volonté, par exemple, était d'aller directement dans la voie de briguer un troisième mandat. Donc aujourd'hui, il est dans cette stratégie. Est-ce qu'il attend de voir l'approche est-ce qu'il veut encore grignoter dans le temps et après mettre un gouvernement complètement politique? Parce qu'aujourd'hui, disons-nous la vérité, il n'a pas... Dans son subconscient, il a véritablement pas besoin de gouvernement économique en ce moment. Il est en train d'être pris à son propre piège, franchement. Et le temps qui joue contre lui. Et donc, cela va sans dire que même sa déclaration le 8 mai le prouve quand il dit que désormais, on va nommer un gouvernement qui est proche du peuple. Et à l'écoute du peuple. Un gouvernement qui est proche, qui est à l'écoute du peuple. Évidemment, c'est un gouvernement politique. Est-ce que sa visée politique, c'est évidemment de jouer contre le temps et vers la fin, nommer des gens qui pourront lui apporter politiquement, sans oublier que dans le gouvernement actuel, il a quand même des amis, des anciens amis, des amis durs, des premiers, comment on les appelle, les militants de premières heures. Les grandes gueules. On a vu plusieurs fois dégommer des gens dans les gouvernements, puis les ramener sous une autre forme, tout près de lui. Donc cela, c'est une réalité qu'il a. Le président de la République a véritablement des difficultés de choix. Sinon, je pense qu'il aurait nommé il y a longtemps ce gouvernement. Allez-y, Moussa, pour clore. Est-ce que Sidya Touré doit son rapprochement au président, en tout cas à la mouvance présidentielle, au président de la République, par la présence au sein du gouvernement Condé d'un de ses cadres? Je ne pense pas. Je ne pense pas que la relation entre les deux hommes prendra fin au moment où vous m'avez pas compris. J'ai dit ceci dans l'élection des exécutifs communaux, le RPJ Cancel a forcément besoin des sièges de l'UFR et sans quoi le RPJ Cancel perdra ou ne peut pas quand même espérer obtenir la tête de plusieurs mairies dans notre pays. Tal dans ce cas n'est pas dans une sorte de bascule. Non, je ne parle pas de Tal. Moi je parle pas de Tal. Alors j'ai dit qu'il faut d'abord obtenir un accord, un deal avec l'UFR peut-être avant d'aller à ce gouvernement, ce nouveau. En ce moment, je suis d'accord, mais en même temps, connaissant bien le président Alpha Condé pour sa grande connaissance de la politique politicienne, tout ce qui est dribble, des petits politiques, je pense qu'il est champion. Vous avez vu cette photo de Mokhtar Diallo qui s'assume
Moi, j'aime les hommes qui s'assument. Ouais. Mais jamais le président n'a été aussi... Mais il a affiché un visage d'un président qui contrôle tout. Les grandes gueules. Mokhtar Diallo qui est à côté, tel un fils auprès du père et qui regarde l'objectif. Mais j'ai été sidéré. Moussa Moïse. Je trouve que c'est ça un peu la leçon que certains doivent tirer de la politique bien guinéenne. Bien malin, ouais. C'est lui qui a dire que la politique guinéenne... Mais au moins Mokhtar, il s'assume, vous l'avez dit, Moussa. Je reconnais, mais je suis fier de cela. Bien. Moi, j'aime pas ceux qui font tout derrière le rideau, qui la nuit pattent à quatre pattes du côté du palais Sékou Touré. Dans les fleurs du palais Sékou Touré. Qui envoient des textos au chef de l'État et qui ne s'assument pas devant l'opinion. Ouais. C'est pas normal, il faut s'assumer. Le discours de Abou Kassila a changé, ouais. On sent le rapprochement auprès du chef de l'État, j'aime ça. Le discours également de Mokhtar Diallo. Au moins, quand on fait le calcul, le journaliste ne peut pas se perdre. Il ne peut pas se dire, ah mais lui, où je le classe? Est-ce qu'il est de là ou de là? Moi, je pense que quand on est dans la politique, quand on est dans l'arène politique, il faut dessiner de façon assez objective la position que l'on adopte. Ensuite, les politiciens qui pensent... Mais l'objectif est d'isoler la cellule d'Alain Diallo. Oui, mais écoutez, c'est pas quand même une relation de sentimentaliste qui lie les deux hommes. Non, pas du tout, là. Pas du tout. Nous sommes dans un jeu politique. Ouais, ouais. Tout est on fait. On boxe dans l'arène politique. Exactement. Mais en même temps, ceux qui pensent, ils assument leur position. Je suis d'accord. Tout à fait. Alors, il ne faut pas penser en même temps qu'être proche du chef de l'État, savoir lui faire quelques confidences, signifierait forcément que vous allez figurer sur la liste de ce nouveau gouvernement, si tant est qu'il ose prendre ce décret enfin. Ce n'est pas forcément le cas. Le chef de l'État peut vous utiliser aussi. Il peut prendre tout ce que vous avez en termes de sève d'information. Il peut prendre tout ça à son profit. Vous écoutez, vous, une sorte d'orange qu'on presse, on lui enlève tout ce qu'il a comme contenu. Et après, vous avez le décret, votre nom n'y figure pas. C'est cela le président Alpha Condé. Un big up à lui. Parce qu'aujourd'hui, regardez, mais qui résiste, j'ai du mal au fait à avoir ce contrepoids qui pourrait... Ouais, même ouais. Lui... Il n'y a plus que Makanela et Papa Koli. Même lui. Oui, bien sûr. Même lui. Ouais. Même lui, oui. Parce qu'ils ont été évincés du gouvernement. Ouais, même, franchement. Même Selou, ça résiste. Ça résiste peu, à mon avis. Ça résiste peu. Parce ça résiste que Alpha Condé, mais oui, si, ça résiste, mais peu. Ça vous parlez de l'âge de Oui, oui, ça résiste peu. Bien, je allez. Pense, mais écoutez, non, je crois que ça, résiste. Ça résiste peu. À mon, ça, c'est ça mon avis. Et allez-y, fouillez bien tout ce qui a été fait en termes politiques. Vous allez vous rendre compte que si c'était un autre leader qui était à la place du président El Hadj Tedoude Alaa Diallo, il aurait plus corsé les choses c'est vrai qu'il par rapport à certains souvent. Points. Je pense. Voilà, mais... À votre voix. Vous pensez qu'il aurait pu faire autrement? Attendez, Moussa. Ça nous permet d'embrayer. On va embrayer sur l'autre sujet. Rupture du dialogue politique en Guinée. La communauté internationale s'implique. Elle était nombreuse hier, plutôt les représentants de la communauté internationale chez et là, celui d'Alain Diallo. Évidemment, cela annonce les couleurs. Je pense qu'aujourd'hui, il est important que si vous voyez, d'où la notion de ça résiste de ce côté-là. Parce que si vous voyez tout le balai de diplomates, etc., qui vont frapper à la porte de Alain Diallo, cela veut dire que sur le paysage politique, c'est quand même la seule entité ou le seul homme qui compte et qui se démarque dans la position véritable d'opposant. C'est le chef de file de l'opposition. Oui, mais oui, c'est clair. Au-delà du fait qu'on dit que ça résiste un peu. Moi, je pense que pour le moment, Selou Alain Diallo, quand même, résiste. Ça résiste. Ça résiste réellement. C'est un jeu politique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le président de la République est quand même dans une position de véritable bulldozer parce qu'il a réussi quand même à racler le maximum d'hommes politiques qui, hier, faisait de la voix. Aujourd'hui, Selou Alain Diallo, certes, il est là. Il a quelques acteurs politiques qui, de temps à autre, peuvent lui échapper parce qu'on connaît très bien comment ça se passe dans l'arène politique. Ceux-là, ils ont échappé à d'autres camps. Mais Papa Koli dans tout ça. Oui, mais ce sont mais des... il est caché oui, du côté des Zélé-Kouré. Oui, mais ce sont des... ces acteurs, il s'est tué totalement. Ces acteurs politiques qui sont aujourd'hui autour de Selou Alain Diallo, ce sont des transfuges. Et voyez-vous, en politique, on ne peut pas faire confiance totalement aux transfuges. Voyez-vous, autant ils ont quitté l'autre camp pour venir, autant ils peuvent vous quitter et aller parce que d'autres propositions peuvent venir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est important que la diplomatie discute avec El Hadj Tedoude Alaa Diallo, mais l'objectif de cette discussion, évidemment, selon les informations que j'ai, c'est pour permettre le jeu politique
beaucoup plus équilibré, beaucoup plus calme, sans véritable violence. Les grandes gueules. Les diplomates sont dans cette démarche de sensibilisation, de discussion avec les acteurs politiques pour que désormais la violence quitte les rues et que nous puissions que le mettre les soit institutions, ramené, voilà, au sein loi, des institutions. Voilà, que le débat puisse être ramené au sein des institutions afin que ça, le jeu démocratique dans ce pays se passe de manière de se plus normalise, apaisée. Se bien. Voilà. Allez-y Moussa. Je pense qu'au sein même de l'UFDG, il y a des personnes qui pensent que Laïcelo Dalein Diallo peut faire mieux. Je pense que ce débat même existe au sein du parti. Cela ne signifie pas forcément que j'appelle à de la violence. Non, on peut être intransigeant sur des positions avec des moyens pacifiques, des moyens légaux. C'est de ça dont je parle. Moi, je donne un tout petit exemple. À sa place, je parle de moi. Lorsque j'ai été invité, en tant que chef de file de l'opposition, par le président de la République, alors qu'au même moment, l'un de mes militants se faisait prendre, j'aurais posé cette question au préalable. Si on a envie de participer... Vous parlez de quel militant ? Mais je parle d'Ibrahim Assori. Si on a envie de parler d'une certaine détente politique dans le pays, vous m'invitez pour parler autour de la table, monsieur le président de la République, de cette détente politique. Vous ne pouvez pas en même temps poser des actes qui puissent aller dans le sens... À créer des tensions. Sauf que c'est pas la première en fois. En politique, écoute-moi. C'est de ça dont je parle. Fruit. En politique, ce sont des choses. À oui, mais ce sont des choses qui se sont donc c'est pourquoi je dis que ça reste. Mais en le faisant, vous aurez été les premiers aussi à critiquer la démarche de la Laïcelo Dalein Diallo. En ce moment, vous l'aurez accusé d'immixtion dans les affaires judiciaires. Attendez, je sais. Écoutez, je veux pas qu'on soit amnésique dans ce pays. Non, pas du tout. Il y a du deux poids, deux mesures. Vous avez des gens qui sont sous terre jusqu'à présent. On ne sait pas qui a osé leur ôter la vie. Est-ce que c'est pas quelque chose d'urgent? Est-ce que la justice n'aurait pas dû être diligente sur ces dossiers-là? Ce sont des cas de mort. Je suis d'accord. Il n'y a pas eu de lumière autour de cela. Vous avez des cas où des opposants osent juste lever le petit doigt et tout de suite, il y a une action judiciaire. La machine judiciaire qui se met en branle. Mais vous avez écouté un ministre du côté de Farana, le discours qu'il a tenu. Nous étions en pleine campagne électorale. Mais quelqu'un d'autre tenait ce même discours, ça allait être mauvais. L'orientation que l'exécutif donne au judiciaire, je pense que s'il y avait une certaine neutralité, je n'aurais pas parlé du cas Ibrahim Assori en disant qu'on a permis à Laïcelo Dalein d'appeler le chef de l'État à faire une immixtion. Mais l'immixtion existe déjà. Il y a déjà ce contrôle qui existe. Oui, mais... voilà, moi, j'estime donc qu'on ne peut pas, dans un jeu où telle action, parce que ça concerne l'opposition, la justice va plus vite, et telle autre, ça concerne la mouvance, la justice va plus lentement, on ne peut pas, dans un tel cas de figure, bien, on ne peut pas parler quand même du respect de différentes procédures. Donc, je pense qu'il peut faire mieux. C'est pas ce à quoi j'assiste maintenant. Merci. Que peut obtenir la communauté internationale dans un contexte aussi tendu? C'est ça la question. Non, mais écoutez, c'est pas une première que la communauté internationale se rende chez Laïcelo Dalein Diallo à chaque fois qu'on brandit le torchon rouge des manifestations politiques. Les manifestations ont repris ce lundi. C'est justement dans ce cadre-là, mais ce n'est pas une première. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va obtenir? C'est ça le problème. Mais sur la question de savoir s'il résiste ou pas, je pense qu'il résiste, mais il cède très souvent face à des situations. Parce que je me dis qu'il y a eu tellement de choses dans ce pays, par exemple. Il y a des accords qui ont été obtenus. Mais si vous résistez réellement, on ne peut pas signer plus de 5 accords sans que le contenu d'aucun ne soit concrétisé. Ouais, ouais. Si vous résistez réellement. Parce que moi, ce qui fait mal dans ce pays, c'est là, que... c'est un appel à la radicalisation. Non, c'est pas le cas. Écoutez, il y a des gens qui sont vraiment stratèges. Honnêtement, moi, j'ai du mal à les cerner ce matin, les deux Moussa. Écoutez, c'est un appel que je voudrais vous dire. J'ai du mal à les saisir ce matin. Le président Fakonde a été opposant ici. Il n'a jamais joué le jeu avec le général Sana Conté. On a tout fait. Vous pouvez le dire, mais il n'a jamais cédé. Il n'a jamais joué le jeu. Mais il était sur sa position. Mais je pense qu'il y a des stratégies qu'on peut utiliser pour que vraiment, quand des accords sont signés, en tant qu'opposant, quand des accords sont signés, qu'on réalise le contenu de ces accords. Il y a plus de 5 accords qui ont été signés, notamment l'indemnisation de toutes les personnes qui ont été victimes aussi des casses, de pillages et tout. Mais ça a été signé. On nous a dit à un moment donné qu'on est sur les enquêtes pour essayer de savoir qui est qui et qui. Mais quelle pression dans ce pays, tout ce qui a été obtenu, quand vous parlez, les gens disent que oui, c'est de la radicalisation. Mais tout ce qui a été obtenu, ça a été sous une forte pression, sous ces manifestations. La preuve, mais c'est terrible. Il a fallu que la communauté internationale. Hier, je sais, Lou, lorsque les journalistes ont tendu le micro à la sortie,
ils disent qu'ils ne parlent pas. Personne n'a parlé. On ne peut pas vous dire ce qu'on a dit. C'est un deal dans le dos du peuple. Personne n'a c'est parlé. C'est un deal dans le dos du peuple. Selou n'a pas parlé. Il ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Vous pensez que dans un tel cas de figure, on peut parler d'un certain rapport de force assez conséquent? C'est pour cela justement que moi je plains toutes ces personnes, tous ces jeunes qui se font abattre parce que derrière, il n'y a rien. Ce qui m'a choqué la dernière fois, c'est quand on a convoqué... Comme vous voyez cette image postée ce matin par Mokhtar Diallo, ça doit donner des leçons aux jeunes. Mokhtar qui était au devant des manifestations politiques. Au devant des manifestations qui encourageaient des jeunes. Il faut rappeler que le premeur militant de l'opposition qui a été tué, c'était un militant des NFD, Zakaria. Vous imaginez, Mokhtar, il est où aujourd'hui? On encourage. Il est dans le sac du président. Il se promène avec en forêt. Le dernier cas en date, l'un des derniers cas en date, le jeune Boubacar Bari, son papa, il ne peut même pas marcher. Ouais. Mais c'est ce jeune-là qui faisait le taxi-moto pour nourrir sa famille. Aujourd'hui, il a été fauché. Wow. Qui va s'occuper de son père dont les pieds ne sont même pas... Il ne se porte pas bien. Il ne peut même pas se tenir debout correctement. Qui va s'occuper de sa famille? Mais après, qu'est-ce qui est fait pour que justice soit rendue? C'est ce qui fait mal. Ces jeunes-là, non seulement... parce que ce jeune-là, par exemple, il était ciblé, il a été recherché ce jour-là, on l'a abattu. Mais mettez au moins la pression pour qu'on juge, qu'on condamne, qu'on retrouve les auteurs. Je trouve qu'ils cèdent trop souvent et ce n'est pas bien. Merci à vous. Les grandes gueules. Allez-y, Jacques, pour clore. Mokhtar Diallo est un opposant positiviste. Non, dialoguiste. C'est ce qu'il a, dialoguiste. Et positif. Positif. Donc, c'est normal qu'il soit vu aux côtés du président. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est vrai que le président Selou, il restait le seul opposant aujourd'hui, en tout cas le véritable contrepoids. Pas parce qu'il est... Peut-être Faya aussi. Oui, pas parce qu'il est tout simplement... Bon, Faya qui devient à faune. Oui, les forces ne sont pas les mêmes. Les forces ne sont pas les mêmes. On va chez Selou parce qu'il a le plus grand nombre de militants. Ça, c'est incontestable. C'est lui seul qui peut paralyser... Vous ne parlez pas de Jean-Marc Tellano aussi? Oui, pauvre Jean-Marc Tellano, il existe quand même. On parle sur l'échiquier politique. Il n'est pas mort. Il est là-bas, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il est avec Selou. On parle sérieux. On parle de politicien. Qu'est-ce que tu racontes, Madame Yoro? Mais attendez, on parle de sérieux. C'est pas un leader. C'est pas un leader, Jean-Marc Tellano. Laisse-moi te dire. Les grandes gueules. On parle de sérieux. On parle de politiciens sérieux, pas ceux qui sont capables de traîner les iPads des autres avec eux. Subtiliser les iPads avec eux. Si vous confiez votre pays à des politiques pareilles, votre budget va se retrouver dans un autre pays. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? Moi j'ai envie de terminer, Roby. Et après, je continue. Voilà. Bien, allez-y. Ce que j'ai envie d'ajouter, je pense non, que mais franchement, cette discussion autour des résultats de ces élections communales vont donner encore, si vous voulez, un accord que les leaders eux-mêmes, ils vont signer contre nous autres. C'est ce qui va se passer. Parce que n'oublions pas déjà que ce qui nous a conduit à ces élections qui n'ont pas été du tout, à un moment donné, transparentes au départ, mais à un moment donné, il y a eu tout ce qui a donné ces résultats qui sont aujourd'hui contestés. Bien. C'est parce que le président de la République et Selou étaient tombés d'accord d'aller à ces élections avec le même fichier électoral qui devrait être révisé, en même temps avec cette loi électorale qui a tous les problèmes qui sont aujourd'hui dénoncés par les mêmes opposants. Merci. Je pense que la communauté internationale, ce n'est pas elle qui donnera la réponse ou la solution à ce problème, il appartiendra et il revient à ses leaders politiques de l'opposition et de la mouvance de nous sortir de ce blocage. Il nous faut des exécutifs communaux pour bien avancer. Bien, merci Jacques. La suite dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.